Salut tout le monde, alors aujourd'hui, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, tu sais. Comment tu vas tout le monde? Ça va? Alors, à l'école, ça va tranquille? Ok, tu fais quoi de beau? Non, enfin bon, ça fait très bizarre, tu vois. Ça fait longtemps que je voulais faire cette réflexion, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la faire maintenant? Ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel, tu vois, de magnifique. Donc du coup, en fait, je vais tout simplement vous montrer comment écrire dans le chat d'un groupe, d'un clan. Dans le chat du clan, comment écrire en fait sur BlueStack ou les émulateurs de Android. Donc les émulateurs pour en fait jouer à des applications Android sur PC, tout simplement. Voilà, donc sur ordinateur. Et donc du coup, donc, comme vous voyez, j'ai réussi à écrire tout ça. J'ai réussi à écrire des choses, tout ça. Parce que j'ai trouvé ça sur internet, hein, comment faire. Et donc le gars avait une idée comme ça, il l'a balancé comme au milieu de tout plein de conversations, le mec a balancé une idée comme ça. Je trouvais ça pas con, et donc du coup j'ai testé, et ça a bien fonctionné. Donc du coup, bah, en fait, comme vous pouvez voir, là quand j'appuie sur le chat de... Bah pour écrire, et ben je peux écrire avec mon clavier. Et à la base, il y a juste la barre blanche là où j'ai écrit avec le clavier. Et en fait, en dessous là, et ben ça avant ça y était pas ça. Et en fait, je l'ai téléchargé tout simplement sur le Play Store pour pouvoir avoir ça. Et en fait, pour avoir juste, en fait, juste pour ça, juste pour avoir le OK ici. Et comme ça, le fait d'avoir ça. Hop, tu fais ça. Hop. Ouais, je vais pas écrire de la merde non plus. Merde, attends, une petite virgule quand même, sinon ça va le faire. Mais je crois qu'il y a aussi un accord. Ouais, je crois que c'est comme ça. Puis après, je crois qu'il y a aussi retest. Hop là. Voilà, petit délire comme ça, hop, et tu mets OK, bim, voilà. Et donc ça fonctionne nickel, et donc du coup, bah, ça permet de pouvoir, malgré tout, parler avec son clan. Mais je me suis dit au début, merde, putain, j'ai beau appuyer sur entrée, quoi que ce soit, j'ai essayé de trouver même du contrôle entrée, du alt entrée, du contrôle 1, 2, 3, 4, 5, vraiment, enfin, bon, j'ai essayé plein de trucs et ah, on pouvait pas y mettre, quoi, on pouvait pas... parler et tout, donc du coup, c'était très gênant, parce que tu peux rien dire, t'es là, les mecs, ils disent, oui... Est-ce que le chef est là, je sais pas quoi, puis toi t'essaies de parler, tu peux pas, tu vois. Et donc du coup, ça serait un peu con d'être dans un cas de figure comme ça. Donc du coup, bah, je vais vous montrer un peu comment pouvoir télécharger ce clavier. Et puis voilà, donc du coup, bah, vous allez sur le Play Store. Alors, hop, on est sur le Play Store. Et une fois que vous êtes sur Play Store, vous recherchez tout simplement un clavier. Putain, attends, je suis de loin en fait, du coup c'est dur. Hein. Voilà. Donc un clavier virtuel, et là il suffit juste de trouver le clavier Google, donc pour Android du coup. Il suffit de trouver le clavier de Google, là vous l'installez. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Voilà. On va pas chercher, bon voilà, vous l'installez. Hop. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc maintenant. Voilà, donc une fois que vous l'avez fini de le télécharger, que vous l'avez installé, tout ça. Donc je fais une petite coupure hein, pour ceux qui sont intelligents et qui l'ont bien vu, tu vois. C'est pas instantané le téléchargement, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas une si bonne connexion que ça. Voilà, donc du coup on ouvre. Pour bah non, il est déjà installé, donc du coup. Voilà, donc hop, vous mettez commencer. Donc là, vous activez le clavier, voilà. Donc hop, vous cochez, bon après suivant l'émulateur que vous avez c'est pas exactement pareil hein, mais bon dans le délire c'est à peu près pareil. Voilà, donc là vous changez le mode de saisie, hop, vous cliquez bien dessus, hop, vous faites OK, et puis là vous quittez, vous allez sur Clash Royale normal. Donc c'est pas très compliqué, en 2 secondes c'est fait hein, franchement 2 secondes c'est fait, nickel. Et puis là voilà. Bon, par contre, vous voyez, hein, on croirait que tu vois, c'est bien fait et tout, des bonnes icônes et tout ça, enfin des bons smiles et tout. En vrai, bah c'est pas du tout ça. En vrai, regarde ce que ça donne. C'est de la merde. Franchement, t'as un petit truc noir de mes deux là d'Android. C'est tout pourri quoi. Quand j'ai vu ça, je fais, what, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Enfin bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon. Mais bon, ça rend plus moche qu'autre chose au final, tu vois. Voilà, donc. Du coup,
Bah voilà, c'était une petite vidéo comme ça, 2 secondes chrono qui a duré apparemment 2 minutes par rapport au message juste là, là. Petit message, hop, il y a 2 minutes, donc ça veut dire que j'ai commencé il y a on va dire 2-3 minutes. Quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, c'était une petite vidéo bien rapide mais qui peut aider certaines personnes. Et que du coup, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà, donc c'était vraiment rapide, hein, je me suis pas bien foulé la cheville pour la faire, c'était pas bien compliqué. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé cette... Cette petite astuce, voilà. Et donc du coup, bah, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!